Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super excité de vous retrouver pour le 7ème épisode de Creativerse. J'ai fait quelques petits trucs en off, alors je tourne cet épisode à la suite du dernier. Donc il n'y aura pas de commentaires sélectionnés pour l'occasion. Mais ce sera pour le prochain épisode, vous inquiétez pas. Vous savez quoi, j'en sélectionnerai deux pour le prochain, voilà, comme ça l'affaire est réglée. J'ai fait des petits trucs en off, j'ai dû un petit peu couper du bois pour pouvoir faire... tout simplement, pour un gain de temps incroyable, j'ai fait plusieurs processors, premièrement, et pour pouvoir faire des wood slabs, et donc pour pouvoir avoir des extractors sur moi, évidemment. Et j'ai refait des torches, du coup, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir, j'ai dû couper pas mal de bois. Donc là, vous voyez, ça va beaucoup plus vite, j'ai plein de wood slabs, plein de stone slabs, ça va beaucoup plus vite, c'était primordial que je fasse ça, j'y avais jamais pensé encore, mais voilà, il fallait mettre plusieurs processors. C'était la meilleure technique à faire, et nous, on va pouvoir se faire pas mal de petits extractors, on en a 12. On attend que ce soit, qu'on en ait un petit peu plus et puis on pourra repartir à l'aventure. Je suis sûr qu'il y a encore l'autre monstre qui nous attend, donc le monstre du dernier épisode. Mais c'est pas grave, on saura l'appréhender. On saura l'appréhender. J'ai vu aussi que j'avais débloqué, regardez, je vais vous montrer. J'ai débloqué plein de crafts, hein, mais j'ai débloqué ici un arc picture frame. Donc c'est, nous on a le picture frame de base et on a un arc picture frame. C'est écrit « A perfect glowing reminder of that one time you survived a mirror onslaught ». Genre en gros apparemment je pense que ça brillera, ce sera un tableau qui va briller en fait tout simplement, qui va émettre de la lumière pour nous rappeler qu'on a survécu contre un mirror. Donc ces fameux monstres qui lootent des arcstones. Du coup voilà, d'ailleurs un arcstone il me semble on en a qu'un seul. Hein. Non, on en a trois, très bien, on en a trois. Du coup, voilà. Alors, on prend tout ça et on est reparti. Alors, les extracteurs, ils sont ici. On en a 19. Allez, c'est parti. Je pense que c'est le bon moment. Pour rappel, j'ai un Obsidian Mining Cell, une Obsidian Sword et Obsidian Arm Guards. Le reste, c'est en cuir hein, pour la protection. Donc, du coup, on est un petit peu mieux stuff. Ça risque de bien... Et alors là, juste, ça n'a pas poussé, ça. Hein. On est bien d'accord. Donc, je sais pas comment ça marche. J'espère que vous m'aurez expliqué en commentaire, en tout cas sinon expliquez-moi en commentaire de cette vidéo comment fonctionnent les plantations. En tout cas voilà, j'ai très hâte de la suite de l'aventure au niveau des systèmes qu'on pourra faire, un peu comme sur Minecraft hein, avec la redstone. On pourra faire donc aussi des plantations comme je viens de le dire et ça va être assez sympa. Ah il est là-bas l'autre extracteur. Oh là j'ai failli tomber. Avec donc encore de l'obsidienne, très bien. Et on a du fer hein, en bas, hein, rappelons-le. Oh là il y a deux monstres, il y en a deux ici, alors attention. Ça y est, ils sont sur moi, mais ils vont cramer. Je vais perdre leur stuff, ce serait dommage. Oh, c'est bon. Nickel. Il y en a encore un... Oh, il y en a trois, il y en a tout plein, ils sont des mignons. Allez. Non, lui, je l'ai pas eu, malheureusement, c'est le soleil qui l'a brûlé. On en a encore pas mal hein, qui nous attendent de ce que je vois. Donc on est clair max, là-bas, il y en a un, et j'en avais vu un autre encore. On va voir un peu comment ça rend avec cette épée, du coup, là, si c'est plus facile à tuer ou pas. Donc là il y en a deux. Hein. Là il y en a deux. Il y en a deux devant moi. Je peux pas non plus faire un contre deux. Hein. Ils sont quand même assez balèzes. Hein. Alors je sais pas où est l'autre, il y en a un qui est par là-bas, mais. Puis il se régène en plus ces salauds du coup dans l'eau. Hein. L'eau minérale. Là voilà, il est là lui là. Alors on va s'occuper de lui en premier. Allez, viens là mon pote. C'est bon, il vient. Il vient, il m'a pas encore vu. Allez, tu m'as vu. Oh là, il m'a vu là. Hein. Allez. Très bien, bon bah je l'ai pas eu. Oh putain. Eh les mecs, calmez-vous. D'accord. Mais encore. Vous avez quoi dans le ventre à part ça? Oh yes. Ok, mais il y en a tout plein hein. Ils sont des millions hein, la vérité. Ok, il y a l'autre encore derrière. Voilà, personne n'a rien loot. Putain mais j'ai l'impression qu'ils, par rapport au dernier épisode, ils sont des millions hein. Bon donc du coup là on en a récupéré 3, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, bah attendez ça veut dire qu'on peut se faire et le plastron et les jambes par exemple. Donc ça c'est assez sympa. C'est assez sympa, alors on remarque que les monstres ils viennent de là donc on va vraiment éclairer par là. Oh là là ça descend profond hein. Oh ça continue. Ça fait assez peur. Donc voilà, faut un peu éclairer par là. Ça va être un cul-de-sac, j'espère. Ouais. Je vous avoue que j'aime bien les cul-de-sac comme ça. Il y en a un qui arrive. Je l'ai vu. Vous l'avez vu, j'espère.
Il est là-bas. Et là, en éclairant un petit peu mieux, c'est au moins ça. Enfin, c'est comme voilà, hein. Les monstres spawnent un petit peu moins. Attends, là, je suis pas safe là. Là, y a un monstre qui arrive là. Attendez, il est où? Il est passé par en dessous. Oh là, on c'est quoi? C'est du mold. C'est nouveau ça. Hein. Ouais, on vient de découvrir ça. Très bien. Ah, il est là-bas. Il y en a un autre, je crois. Bon, je mets à fond les torches. Hein. Là, il y a un truc sous l'eau. Il y a des trucs sous l'eau, vous avez vu? Je sais pas c'est quoi, mais... Ah, il est là. Oh, ouais. Oh, là. Ah! Mais ils viennent de nulle part, les mecs. C'est des salauds. Ils sont trois. Ils sont trois. Hop, je récupère. Hein. On régène un petit peu. Ils sont plus que deux. Alors, moi, je peux plus remonter. Hein. Je peux plus remonter. Bon. Si lui, il pourrait crever. Voilà, il est mort. On peut s'occuper de lui là-bas. Putain, mais ils viennent de nulle part. J'arrive pas à comprendre d'où ils viennent. C'est ça ce qui est assez incroyable. Oula. C'est bon. Bon, là, je pense qu'on a tout le stuff complet. 5. Hein. On doit avoir tout le stuff complet. Bon, bah. Franchement, ça c'est vraiment pas mal. Le soleil se couche, ça me plaît un peu moins. Mais vous voyez, je comprends pas d'où ils viennent. C'est un truc de fou. Genre ils spawnent et tout. Écoutez, je vais aller là. Je vais récupérer mon fer. Mes extracteurs. On récupère le fer là. Je récupère des blocs et je m'enferme. Hein. Clairement, j'ai pas confiance. Hein. Je dois vous rappeler que je me suis fait prendre en leu-leu par ici, donc... Ah, d'ailleurs, regardez, ça, c'est de la mud, et quand on marche dessus, c'est comme de la soulsen sur Minecraft. Alors, désolé, je compare beaucoup à Minecraft, mais ça nous fait marcher très lentement dessus. Ça a l'air d'être assez collant. C'est quoi, ça? Ah, du charbon, très bien. C'est du charbon. Hop. Je vais mettre juste les extracteurs méthodiquement ici. Pourquoi je tremble? Ah, c'est quand je suis dessus. D'accord, je tremble quand je suis là-dessus. Bon bah on récupère un peu de salactique, écoutez. Je vais poser la torche là en mousse là, c'est nul cette torche là. Enfin la mousse torche quoi. Et écoutez, moi je propose qu'on progresse un peu comme ça. Enfin en vrai là on va... Voilà là on arrive, alors il y a l'eau qui arrive. Ah c'est pas cool ça. Ah c'est bon elle s'arrête. Ah ça nous régène là comme ça, eh c'est vraiment cool. Ça c'est bon quand même, en réalité ça nous régène, c'est vraiment bien. C'est super. Alors le fer. Très bien. La musique elle est épique hein. J'aime beaucoup. Bon, j'aurais augmenté un peu la gamma au montage hein, donc j'espère que vous voyez bien. Non ça c'est pas con, enfin c'est pas bon. Non mais écoutez ça, mais c'est Stargate. Non mais là je rigole zéro, en vrai c'est vraiment Stargate. Pour ceux qui ont la référence, on va prendre la porte des étoiles là si ça continue. Ah ! Je me téléporte. Et j'ai bien fait. J'ai pas compris comment ils ont fait pour venir mais ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très peur, moi je dors. Aïe 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 aïe, ça m'a fait peur. Oh les frérots. Alors là j'ai pas compris d'où ils sont venus. J'ai pas compris d'où ils sont venus. Donc c'est vraiment pas cool quoi. C'est vraiment pas cool. Mais au moins on va sécuriser les trucs. Je préfère qu'on sécurise hein. Petit à petit, c'est quand même sympa. Et du coup qu'on se stuff. Donc on va pouvoir se faire. Ah attends j'ai débloqué. Ah oui bah du coup en fait quand tu fais un truc en obsidienne, après ça te débloque le truc en fer par dessus hein. Donc là on va pouvoir faire l'obsidiane breastplate. Il faut de la stone rod, du cuir et de l'obsidienne. Alors attendez, par contre le cuir, j'ai peur de ne plus en avoir. C'est le cuir qui me fait peur, j'en ai plus que 4. Il me faut donc de la stone rod, j'en ai ici. Et de l'obsidienne. Alors attends, je crois qu'il va falloir en refaire d'ailleurs. Alors hop, ah non mais il refaut du bois. Hein, heureusement que j'en ai coupé du coup. Hop, hop, voilà, fais-moi rêver. Et donc là, est-ce que je peux crafter? Non, il me faut encore donc une obsidienne là, celle qui chauffe, et ça nous fera... donc le breastplate, donc pour le plastron quoi, hein, globalement. Au niveau du torse. Eh, mine de rien, je suis un peu plus serein.
Mais je me fais quand même facilement surprendre et ça me fait peur. Hein. Bah après les monstres quand même, ils font quand même vachement peur. Et encore une fois, j'ai pas tout de suite les bons réflexes forcément. Donc ça fait plutôt peur. Voilà, donc maintenant on a l'Obsidian Breastplate. On va l'équiper, évidemment. Donc on enlève le cuir et on met l'obsidiane. Et là on a une protection de 110. Donc là on n'a plus qu'à faire le leggings et le pauldron. Et on a assez. Enfin on a assez au niveau des Miru Eye. Il nous faut quoi? Alors maintenant on a Iron Breastplate. Comment on fait ça? Ouais, donc il faut ça à chaque fois. Ça c'est un truc qu'on n'a pas encore découvert. Le reste on sait, mais ça on n'a pas encore découvert. Donc ouais, il nous faut toujours du cuir. Et ouais, l'obsidienne. Mais du coup, j'ai plus de. Voilà, j'ai du bois là. Donc c'est bon. On va faire chauffer ça, les frérots. Pas assez. Voilà. Ça suffira. Ouais, deux obsidiennes. Ok. Tiens, on va en profiter pour récupérer ça. Refaire des extractors. On peut faire des torches. Là, on se met plutôt pas mal. On va mettre ça dans les loot. Et on va remettre les blocs là où il faut, hein, tout simplement. On va un petit peu faire le tri, quoi. Ok. Eh, c'était quoi, ça? Ah oui, c'est les particules de feu, je sais pas quoi. On aurait cru, vous savez, ce qui est le... Bah, justement, les particules de régène. Justement, dans l'eau minérale. Donc, c'est assez rigolo. Allez, et de une. 3, 2, 1. Top. Et de deux. Et donc, là, on peut se faire... attendez, pas de bêtises. Voilà. Là, alors, bah, soit on fait... On a le choix. Soit on fait obsidian legging. Soit on fait... Obsidian pauldron. Mais c'est soit l'un soit l'autre parce qu'après j'ai plus de cuir. Donc écoutez, on va faire ça, hein. On va faire ça d'abord. Ouais, c'est bien un casque, hein. C'est bien un casque. Hop, on enlève et on met ceci. C'est dommage que sur le personnage on voit pas justement l'armure. Mais bon, pas grave. Donc là on a une protection de 130. Donc là dans l'idéal ce serait d'avoir encore du cuir en vrai, hein. Parce que là, donc maintenant il faut qu'on fasse l'obsidian legging. Il nous faudra du cuir. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, il nous faut du cuir. Et on va refaire chauffer de l'obsidienne. Il en faut encore deux, il me semble. Ouais. Bon bah il nous faut du cuir. Alors le cuir, il me semble que c'est looté par les petits monstres sympas. Enfin par les petites créatures là. Les petits pigs. Ah bah là il y en a un là-bas. Est-ce qu'il n'y en a pas un plus proche? Non, visiblement. Donc on va aller voir le petit pig. On va lui faire un petit coucou, ça fait du bien un petit peu de massacrer des gentils animaux. Ah, en plus il dort, hop, je te réveille, hein. J'espère que ça te fait plaisir. Voilà, un cuir, il nous en faut encore un deuxième. Alors, là-bas les petits poulets, bonjour. Bonjour à vous les petits poulets. Hop, ça dégage. Il m'a mis aucun coup, hein. Je commence à avoir la bonne technique, j'ai l'impression. Ok, j'ai ce qu'il faut, on rentre. C'est quoi ça? Ah, il y a une mine ici. Oh là! Oh, j'ai pu le tuer. Et il nous loot. D'accord, oui. C'est pas non plus folichon. Je suis sûr que cette mine, elle rejoint l'autre. En vrai, non? On va bien voir. Hein. Attendez, ça coûte rien. Attends, viens voir, sors. Sors, sors. Voilà. Régale-moi. Ah, pas forcément. Non, là, c'est encore une autre mine, hein, donc. Après, à voir si c'est un cul-de-sac ou pas. Parce que si c'est un cul-de-sac, c'est intéressant. Parce que ce genre de mine avec un cul-de-sac. Non, non, ça continue. Ça a l'air de continuer. Parce que vous voyez, on peut miner plein de trucs là. Ah oui, regardez là. Attendez, j'explore, hein, parce que maintenant je suis un explorer. Purin me fait peur. Cul-de-sac. Ça va être un cul-de-sac. Ça me plaît. Ça me plaît. Et par là, j'espère presque vraiment que c'est un cul-de-sac. N'importe quel autre joueur voudrait que ça continue, mais moi je veux que ce soit un cul-de-sac. Et c'est bien parti pour que ce soit un cul-de-sac. Alors on va bien éclairer. Ah, c'est un cul-de-sac. C'est un putain de cul-de-sac, c'est bon. Et vous voyez, on a plein de charbon. Ah, c'est bon ça, nickel. Tu vois, limite, ça nous fait une belle base sympa. Donc là, vous voyez, là, on a un repère de charbon. Donc là, je mets les extracteurs partout. Là-bas aussi, hein. C'est aussi du... Non, là, c'est de l'obsidienne, du coup. Vous voyez? Ah, bah, je suis content d'avoir exploré ce petit... J'ai bien fait. J'ai bien fait. Hop, je voulais mettre une torche, hein, je me suis trompé. Très bien. Donc ça, c'est fait. On récupérera, hein. Normalement, ça despawn pas, hein.
Ah, là-bas, il y a un biome tropical. Je savais pas. Bon, c'est vrai qu'on a encore jamais exploré hein, par là-bas. On s'est jamais baladé depuis qu'on s'est installé là. Mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je sais plus ce que ça nous loot, là, les petites créatures vertes. Elles sont toutes gentilles et elles attaquent pas, mais je sais plus ce que ça nous loot. Merde, j'ai fait me casser la gueule. Alors, les frises, hein, c'est chiant. Hein. Les frises, c'est très chiant, mais vous m'aviez expliqué d'ailleurs que c'est normal et qu'on s'y fait, malheureusement, mais c'est comme ça. Ah, ça nous donne du cuir et de la sinew et de la yellow flower. Ça nous donne des fleurs, mais c'est grave cool, ces machins. Bon, lui, il a peur, il se bat. Hein. Attends, je m'en occupe parce que c'est toujours utile, ces petits machins. Des vignes! On n'a pas besoin de chercher des vignes. Il suffit juste de tuer ces créatures. C'est exceptionnel. J'avais complètement oublié. Bah c'est bon à savoir. C'est super cool. J'ai vraiment l'impression que je commence à maîtriser le jeu. Vraiment ça me fait une satisfaction. On va pas se mentir. Bref, donc maintenant Obsidian Legging. Maintenant c'est fait. Je suis dans 3, 2, 1. Voilà, je suis full protection obsidienne. Épée obsidienne. Mining cell obsidienne. J'ai tout en obsidienne en fait. Ah, on peut avoir des costumes. Arrête. Comment on fait ça? Je suis sûr qu'il faut payer. Je suis en train de découvrir, hein, concrètement. Non, c'est des trucs à payer? Part of the frog costume set, don't let them... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, mais je pense... Je pense qu'il y a une histoire d'argent, mais pas forcément. Hein. Ça se peut... Ça se peut en fait, ça a débloqué et j'ai rien compris. Alors, on va très vite se dépêcher. Je vais vite faire ranger ça. C'est quoi ça? Glowing Mushroom. Ah, c'est dans les stalactites du coup qu'on a trouvé ça. Voilà, je me dépêche vite hein, de rentrer, enfin de ranger ça. Ça, ça va là. D'accord. Les woodrods, hein, ça va là. Allô? Attends, c'est la merde. j'ai du mal. Et d'ailleurs, bah, dans ce coffre, je vais mettre les anciennes protections. Et on est bon là maintenant. Hein. Hop, hop, on est bon. Et ben, on peut repartir, donc du coup, toujours dans la mine qu'on explore à la base. Toujours dans la mine qu'on explore et voilà donc bah c'est vrai qu'on prend notre temps à l'explorer, on n'a pas beaucoup avancé n'empêche hein, parce que du coup bah, y a des monstres partout, c'est incroyable. Pourtant j'ai beau éclairer, bon là il y a plein de gentilles créatures mais à tout moment si je les tape ils seront contre moi. Ah là il y a des... Mais vous voyez? Mais ils viennent tout le temps, m'embêter. Casse-toi! Voilà, mais par contre donne-moi ça, merci, c'est sympa. Petite technique, hein, tu les laisses un peu cramer au soleil et avec un peu de chance, tu peux récupérer les loot. Ce que je disais, c'est que là, on a du charbon. Et le charbon, c'est trop bon. Donc on récupère. Ah bah là, également. Enfin là, c'est de l'obsidienne, du coup, il y en a encore, je pense. Non, même pas. Non. Bon, ça me fait quand même un peu peur, hein. Je vais pas faire genre je suis serein. Attendez, y avait pas encore des trucs là-haut à récupérer? Non, j'ai tout pris. Hein. Attends, je torche à fond, hein. En vrai. Faut absolument qu'on avance, hein, parce que là... Mais regardez, y en a encore un là. Oh! Ah mais c'est lui qui m'avait surpris. Alors, je lui mets la misère. Ah! Pardon. Avec l'épée, je mets la misère. Mais ils me mettent un peu la misère aussi, hein, quand même, hein. On va pas se mentir. Mais alors d'où viennent ces méchants? Ah oui. Du coup à la base moi je viens de là. Attends, je vais m'enfermer. J'ai pas compris comment ils ont fait pour faire une ouverture. Donc là on a du fer. Attendez, je parle plus parce que ça me fait peur. Je sais pas où aller. Ah! 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 Adieu. C'est bon, tout va bien, je me téléporte. Hein. Je suis désolé, hein, mais ça fait beaucoup trop peur. Non, mais là, il y en avait 4. Il y en avait 4, hein, la vérité... J'ai pas le choix de faire. En vrai, j'ai pas le choix de faire ça. C'est juste à côté, hein, heureusement. D'ailleurs, faut que je ferme la porte. Mais j'ai pas le choix de faire ça, les frérots. Les mecs, ils étaient 4. Je sais pas comment appréhender ça, moi. Je suis pas prêt pour ça. Hein. D'ailleurs,
Je prends vos astuces en commentaire avec impatience et grand plaisir, mais du coup je suis content de découvrir ça un petit peu tout seul. Mais ça fait peur en fait, comment on gère les 3 en même temps, enfin les 4 en même temps même, du coup c'est compliqué. Attendez, on va un peu chiller, ça vous dit? Qu'est-ce qu'on peut craft là prochainement? Parce qu'on a pas mal de fer en plus là, regardez, attendez, hop, le fer je le mets là, on en a 12. Ah c'est pas ouf hein, je pensais qu'on en avait plus. C'est pas folichon non plus, hein. Mais ouais. Ah, qu'est-ce qu'on peut craft du coup, ce que je disais? Bon, là on a plein de lampes, hein. Bon, niveau décoration, c'est bon. On fera d'autres maisons ultérieurement, hein. Donc niveau déco, voilà. Alors là, ouais, donc ça c'est tout ce qui est lumière du coup, hein. Là on a des potions. Ah, attendez, si je prends des. Si je prends ça. Est-ce que vous pensez que. Ah non, c'est pas juste des flocons ça. Ouais, je pensais que je pouvais remplir avec l'eau qui régène. Donc là on peut faire les armures en fer. Donc pour ça il faut encore une fois, on a tout ce qu'il nous faut, mais juste ça. On sait pas, moi je sais pas d'où ça vient. Mais je pense du coup que ça vient des cochons, mais les cochons méchants. Enfin je pense, non, je sais pas. Là c'est les coffres. Décoratif container. Ah mais attendez, je viens de réaliser un truc les amis. Elle est encore là la graine? Ici j'avais mis des plantations. Et bah je peux mettre dedans, non? Je suis sûr que vous me l'auriez dit en commentaire. Je suis sûr que vous me l'avez dit en commentaire. Mais comme j'enchaîne les épisodes, bah du coup j'ai pas vu. Enfin j'enchaîne le deuxième épisode quoi. Mais je suis sûr que ça marche. À moins que pas du tout. Mais je pense que ça va fleurir. Ça va fleurir et ça va pousser. Alors peut-être qu'il faut faire ça à côté de l'eau. Est-ce qu'on peut crafter des buckets, genre des seaux? Non, je sais pas, ça a pas l'air de marcher. Ah non mais par contre je peux récolter l'eau. Attendez, on va faire un truc, vous inquiétez pas. On va tenter un truc, regardez, je vais prendre l'eau. Voilà. C'est bon, nickel, ça s'est remis. Et si je mets l'eau à côté, je pense que ça marche. Je pense que ça va marcher. Voilà. Ça se trouve pas du tout, hein. Je suis en train de me faire un film, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin, mais... Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut crafter? Ok. Alors ça, le wiring tool... C'est ce qui va nous permettre de faire des systèmes du coup du turfu. Donc les systèmes de redstone et tout. Je me suis vraiment renseigné, j'ai regardé des tutos sur YouTube du coup à ce propos, parce que ça m'intéresse vraiment. Et ça va être trop cool en fait. C'est ce qui va nous permettre de relier bah, par exemple un bouton à une porte. Ou un levier. Mais d'ailleurs j'ai trop envie de faire ça les mecs, hein, parce qu'on a ce qu'il faut. Stone rod magnétite. Ok, c'est ça qu'il faut. Vas-y, c'est parti. On va faire ça les amis. Stone rod. Il faut de la magnétite. Alors attendez, la magnétite il y en a là. Il faut du charbon aussi, j'avais vu. Et du coup, il me faut de la pierre pour refaire de la stone rod. Hein. Hop. Non, stone rod, je voulais faire. Annule. Alors, comment on fait donc? Ouais, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Et donc, ce qu'on va faire, attendez, est-ce qu'on peut crafter? On va faire ça, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, mais on va faire une porte en fer. Ouais, mais ça fera moche de mettre ici des portes en fer. Non, bah tant pis, on fait en... Je vais vous faire une démonstration, d'accord? Je vais vous faire une démonstration mais avec des portes en bois. Même si du coup c'est un peu crétin parce que les portes en bois on peut les ouvrir nous-mêmes, hein, mais. Je vais vous faire une démonstration. Même si peut-être que vous connaissez, hein, ceux qui connaissent le jeu du coup, hein, mais. Donc attendez. Ok là. Hop, je l'ai crafté. Alors, est-ce que je peux crafter par exemple un levier? Il me faut des stone slabs. Et ben voilà, ben, je savais qu'il fallait quand même que je fasse des stone slabs. Alors annule. Fais-moi des stone slabs, de toute façon. On va en profiter pour en faire plusieurs. Donc là je porte actuellement, vous voyez à droite, le rewing tool. Je sais pas comment ça se prononce, hein. En fait ça va me permettre. Alors attends, j'enlève ça. Ça va me permettre du coup de créer des connexions. Si je fais V, ça cache les connexions. Si je rappuie dessus, ça affiche les connexions. Mais là il y en a aucune, mais vous allez voir. Forcément je peux pas vous montrer, il y en a pas. Voilà, donc là je viens de faire un switch. Alors il nous faut une porte, hein. Évidemment on va faire une porte aussi, sinon ça peut pas. Enfin ça sert à rien. Hop, pour ça il faut des vignes. Bah ça tombe bien, des vignes on en a récupéré tout à l'heure. Il nous faut... Bah voilà, impeccable. Ah mais il nous faut du bois. Oh c'est une blague. J'ai pas de bois. Attendez, c'est pas grave, regarde, je vais prendre une bûche ici là, on s'en fout. Attendez, non. Là. On va prendre de cet arbre là. Tant pis, hein. Ça va, c'est pas trop moche là comme ça. Voilà, on va faire ça. Petite démonstration redstone, hein. Donc là, bah vas-y, je peux crafter là. Voilà, ça nous fait une porte. La porte, bah ouais, mais ça m'en fait qu'une. C'est complètement con. Bon, c'est pas grave, on en mettra une deuxième. Eh ben, admettons, je vais mettre... C'est tout con, hein, c'est tout con. Je vais mettre un levier... Je vais mettre un levier, là. Et du coup,
Hop, je prends le Wheelwing Tool. Je vais découvrir en même temps, hein, parce que j'ai que vu des tutos. Voilà, vous avez vu. Donc là, send, receive. C'est tout aussi simple. Donc lui, il reçoit et lui, il envoie. Donc je clique dessus. Et là, je peux relier à la porte. Hop. Et là, vous voyez, le levier et la porte sont reliés. Et si j'appuie sur V, d'ailleurs, évidemment... Enfin... Bon, en gros, si j'enlève... voilà, on voit pas la connexion. Et donc, normalement, si je clique sur le levier... la porte s'ouvre. C'est fantastique, vous avez vu. Et si je rappuie dessus, la porte se referme. C'est incroyable. C'est moderne. Par contre, ça s'ouvre pas dans le sens que je veux. Oh, quoique, si, c'est bien dans le sens. Et alors, ce qui est encore plus fantastique, c'est qu'on peut faire plusieurs connexions. Et donc, c'est-à-dire, là, je reclique dessus, et je veux que ça se connecte également à cette porte. Et ben, l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez, ça relie les deux. Et on peut en relier autant qu'on veut, hein, d'ailleurs. Et donc là, j'appuie sur le levier et les deux portes s'ouvrent. C'est quand même fantastique. En vrai, c'est grave stylé. J'avoue, ça me fait kiffer. Hein. Ça me fait kiffer de ouf. Du coup, voilà, maintenant vous voyez à peu près, en tout cas dans l'idée. Je vais mettre de la stone ici en attendant, comme ça je saurais que je vais mettre une autre porte ici. Du coup, voilà, c'est grave stylé. Je suis trop content. Et on peut faire donc pas mal de petits trucs comme ça, pas mal de trucs assez sympas. On peut même faire en sorte, normalement... comment ça marche? Voilà. Je peux normalement... alors attendez, c'est assez compliqué. Can interact. Si je décoche can interact et que je fais save, eh ben je ne peux plus... voilà. This door is locked. Vous avez vu, je peux plus ouvrir la porte. Donc elle est vraiment fermée à clé, quoi. Et pour l'ouvrir, on ne peut que utiliser le levier. Bon, du coup, là, c'était juste une démonstration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer la porte, si c'est possible. Voilà, can interact, save. Et je vais enlever j'aimerais enlever. Alors comment ça marche? Comment je peux enlever? Attendez, ça je découvre. Ah, il faut que j'appuie sur K. Break all links. Voilà, donc là ça a enlevé tous les liens. Ah, là aussi je vais le faire. Voilà, donc là il n'y a plus de liens. Donc si j'appuie sur le levier, voilà, il se passe plus rien. Donc on va enlever. Et maintenant, voilà, vous voyez le délire, donc on va pouvoir vraiment s'amuser et faire des trucs assez sympas. J'ai vraiment hâte, on n'y est pas encore, de toute façon. Écoutez, moi je sais même pas, bah, vous savez quoi, de toute façon je vais pas enchaîner les épisodes. Dites-moi ce qu'on fait pour le prochain épisode. Est-ce que on continue l'expédition dans les mines, genre l'exploration et tout, ou est-ce qu'on reporte ça, on fera ça plus tard, et vous voulez plutôt... qu'on aille explorer de nouveaux biomes, genre là-bas, le biome que j'ai vu là-bas, le biome tropical, et potentiellement qu'on se trouve un autre endroit où on pourrait peut-être également construire une base. À ce moment-là, on fera un téléporteur et on pourra se téléporter d'un endroit à l'autre et pouvoir continuer nos quêtes un petit peu comme on le souhaite. Dites-moi en commentaire ce que vous me suggérez à faire pour le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu, on s'en arrête là. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre un pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Je vous donne rendez-vous pour deux prochaines vidéos. C'était Mkolo sur ce coucher de soleil qui n'est pas là. Hein, le coucher de soleil, je me suis trompé, il est par là-bas. Hein, voilà, il est là-bas. Ciao tout le monde!